À Scotland Yard, j'ai appris 1000 façons de maîtriser un malfaiteur. N'oublions jamais que la personne arrêtée est un adversaire qui va se défendre et qui a à sa disposition, elle aussi, 1000 manières de nous résister. Et je vais vous donner, mesdames, quelques-unes des recettes que je connais pour vous défendre. Et pour ça, pas besoin d'un arsenal compliqué. Prenons des choses très simples que nous avons tous à notre portée. Appelons ça notre arsenal ménager. Voilà que dans la noirceur de la nuit, un inconnu vous attaque. Nous n'avons que ce modeste petit engin. Nous allons nous en servir comme d'une arme. Et de plusieurs façons. Regardez bien. D'abord pointer. Ensuite sabrer. Et faucher. Agripper. Avouez que je vous ai. Non, soyons sérieux, mesdames. Voyons autre chose. Madame Steinhardt, je crois... Vos clés. Un trousseau de clés, ça peut aussi être une arme mortelle. Et si on sait comment porter les coups sur un visage. Un geste large dans les deux sens, toujours. Nous allons maintenant faire l'inventaire bien détaillé du sac à malice. Voyons un peu ce qu'il y a dans votre musette. Oui, il est très lourd, monsieur l'inspecteur. Ah, ce c'est quelque chose. Vous devez aussi avoir des muscles d'acier, madame Colombo. Là, vous avez une arme, un bon coup à la tête, là. Surtout si on le fait tourner, là. Si vous êtes assez à droite, vous emportez un coup furieux sur l'oreille. C'est en matière de masse d'armes. On a maintenant fait autre chose de plus pratique et de moins encombrant aussi. C'est un stylo qui va projeter un gaz qui aveuglera éventuellement un assaillant. Ah, qu'est-ce que... J'avoue que l'odeur est écœurante, mais nous verrons plus en détail son application dans notre prochaine rencontre. Ne brûlons pas trop vite les étapes. Donc, avec votre permission, nous allons plonger plus avant dans votre arsenal potentiel. Je crois que je tiens un livre. Oh! Alors là, je me sens bien. C'est un bouquin qui a été publié récemment. C'est une œuvre de criminologie qui s'appelle « Sept meurtres restés impunis » par Ian Hazel Morley, personnage à caractère génial. Qui est un ancien chef inspecteur mis à la retraite. Je vous recommande fortement à sa lecture. Pensez à passer chez le libraire aujourd'hui et surtout n'allez pas à la bibliothèque où les livres sont prêtés. Ah, une autre. Une petite carte de crédit, c'est tout. Qui peut être, elle, aussi coupante qu'un rasoir. Et si cette carte est bien tenue, un coup au visage de l'assaillant peut être d'un grand secours. D'après cette carte, j'en déduis que, sans doute, la titulaire Kate Colombo est soit cambriolaire, soit une journaliste. Si je vous dis ça, c'est qu'avec ce genre de carte en plastique, il n'est pas difficile d'ouvrir une serrure. Le journaliste, parce que c'est en fait une carte de presse que nous avons là. Je vois que nous intéressons la presse locale. Oui, je travaille au journal local. Rouler très serré, ça peut peut-être faire une sorte de matraque. Un peu léger, peut-être. Tenez. Et si je vous attaque, que faites-vous contre moi, madame? Quel est votre système de défense? Je prends le stylo à gaz si odorant dans votre poche. Ensuite, je vous en envoie une bonne giclée. Oui, mais celui-là, c'est mon stylo à plume. Oh. Alors, il ne vous reste qu'à signer le livre pour vous faire pardonner. C'est la moindre des choses. De la part de l'auteur. De la part à mon mortel adversaire. Michael, en effet. Je suis Ian Morley. Monsieur l'inspecteur, entrez, je vous en prie. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous débarrasse. Mais merci. J'avoue, monsieur, que votre appel de ce soir m'a surpris. C'est ce que j'espérais. Un feu est le bienvenu par ce temps. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup aimé votre livre. Un peu de brandy. Oui, merci. Voilà. Merci. Une compilation très précise de sept crimes qui n'ont jamais trouvé leur solution. Vous auriez pu l'intituler aussi « Sept meurtriers restés impunis ». Je retiens ce titre excellent. À votre santé.
Peut-être pour mon prochain bouquin, si toutefois j'ai le courage à nouveau de faire ce travail. Je ne vous cacherai pas que la recherche est souvent fastidieuse. Je suis certain que chaque cas a dû vous coûter des heures de travail acharné. En particulier le meurtre de Lily Corday. Admirable, je le reconnais, c'est une vraie mise en scène. Mais vous parliez d'un meurtre au téléphone. Qui en a été la victime? C'est vous qui le saurez. Est-ce que je peux savoir... Oh mon Dieu. Est-ce que ce serait... Vous êtes Carmichael, celui du livre? Vous seriez ce Carmichael? Le meurtre de Lily Corday. C'était un curieux meurtre. Il a des années et des années déjà, oui. Et j'ai cru alors, comme tout le monde d'ailleurs, que l'homme qui l'avait tué s'était noyé un soir dans la Tamise. Et quand la police est venue pour l'arrêter, hélas pour un meurtre qu'il n'avait pas commis... Non, puisque c'était vous, le meurtrier. Où avez-vous pris ce genre d'idée? Mais monsieur l'inspecteur, dans votre livre, si bien renseigné. Une femme qui se prostituait a été, peut-on dire, éventrée par un homme. Cet homme était un jeune politicien, la prostituée menaçait de révéler à la presse leur liaison, et la police a bien sûr aussitôt conclu, compte tenu de vos relations très précises avec cette femme, Lily Corday, que vous étiez son assassin. Cette affaire a détruit mon existence. Alors elle doit aussi détruire la vôtre, monsieur Morley. Oh, mon cher, vous faites erreur. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. Jamais je n'ai eu de rapport avec Lily Corday. Si c'était le cas, jamais je ne serais allé mettre ce meurtre dans un recueil signé de ma main. Cela m'aurait fait beaucoup de tort. Non, mon très cher monsieur Carmichael, votre argument est absurde et je peux vous en donner la preuve. Si toutefois vous abstenez de presser la détente de ce pistolet, ça ne me demandera que quelques secondes, c'est tout. Je peux écrire quelque chose, ce sera plus facile peut-être si j'écris. Je vous assure qu'en une seconde, vous allez être absolument convaincu. Ah. Je suis M. Carmichael. Je suis présentement au Country Club, c'est un hôtel. J'ai grand besoin d'aide, je voudrais rester en vie. Mais je crois que je vais la quitter et je suis effrayé. Je tiens encore à la vie, je vais mourir, hélas. Allô? Je vous écoute. Je peux vous aider? Allô? Allô, écoutez-moi.
Comment ça, où est-ce que vous l'emmenez? Avec les suicidés, bien sûr. Bon, allez, on rentre, les gars. L'affaire est classée. Monsieur l'inspecteur en personne. Oh, mais c'est moi, oui. Oh, mille excuses. Est-ce que les policiers auraient laissé la porte grande ouverte? Eh bien, sans doute. Enquêtez-vous pour votre propre compte? Non, je n'ai fait que répondre à une simple invitation. J'ai reçu un coup de téléphone ce soir de ce monsieur... Monsieur Carmichael. Oh, il ne s'appelait pas du tout comme ça. Eh bien, pardon? Il semble qu'il ait loué cet appartement au nom de Carmichael, mais son vrai nom serait Sanders. C'est en tout cas ce que j'ai entendu dire par le sergent Boone tout à l'heure. Si j'ai bien compris la rumeur en bas, il se serait suicidé, non? Ce Carmichael ou je ne sais qui. Je ne le connaissais pas du tout. C'est toujours triste de voir une personne mettre fin à ses jours. Mm-hmm. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il avait d'importantes choses à me dire et il m'a dit de le rejoindre ici à son appartement. C'était pas son appartement. Je saisis mal. Ça n'était qu'une location. Tous les objets sont fournis. Jamais il n'a vécu à cet endroit. Mais j'ai trouvé ça par terre. L'objet doit lui appartenir, je suppose, non? Il a brûlé l'autre. Comment ça? Là, dans la cheminée. Vous sentez l'odeur? Oh oui, c'est écœurant. J'ai questionné le sergent Boone. Je lui ai demandé ce qui pousserait un suicidé à mettre ça dans le feu avant de se donner la mort. Le sergent m'a dit qu'il n'avait pas envie d'en discuter. Je suppose que vous avez une théorie. Non, pas encore. Est-ce que vous connaissiez le suicidé? Oh non, j'ignore qui c'était. Quelqu'un a téléphoné la chose à la police et j'étais là. Alors, je me suis rendue sur les lieux pour le journal. Ah, votre journal local, je sais. Je ne travaille qu'à mi-temps pour le journal. J'ai une petite fille et ça donne du souci. Mais ça doit être intéressant. J'écris souvent sur les réunions de parents d'élèves ou sur les associations féminines. Edith, si nous allions quelque part prendre une tasse de thé, hein? Nous avons rarement des meurtres ici. Des meurtres? Je me demande si c'est vraiment un suicide. Mais pourquoi ne serait-ce pas un suicide, hein? Ces tableaux n'ont pas l'air naturels. Celui-ci, par exemple, et l'autre qui est là, ils ne sont pas à leur place. Je suis sûre que vous l'avez remarqué aussi. C'est-à-dire que ces tableaux sont des reproductions ordinaires, pas très bonnes, c'est vrai. Mais regardez la trace autour. Ça peut être d'un grand intérêt. Vous croyez? Mais ça veut dire qu'il y avait ici un tableau plus grand. Et que c'était sûrement l'autre qui a derrière lui une trace plus petite. Oui, c'est très possible. Mais, Madame Colombo, si nous allions prendre cette bonne tasse de thé, je connais un endroit très sélect. J'en serais ravie, oui, mais une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais avant décrocher ce tableau. Et le mettre de l'autre côté. Regardez ce qu'on va trouver. C'est une balle, Yavistrou. Ça doit être une balle. Pourquoi aurait-il tiré une balle dans la cloison? À première vue, bien sûr, on dirait que... Ça peut être une balle, oui. Oh, je suis bien contente que vous soyez de mon avis. Je préviens le sergent. Le sergent, ça, c'est une idée. C'est une idée splendide. Vous êtes un vrai détective, Madame Colombo. Oh, c'est très gentil, ça, monsieur. Il faut que je dise ça à un ami. Il serait bon, un petit détail. Mais notre thé va refroidir. Je veux dire... Regardez, il y a encore un petit détail qui ne marche pas bien du tout là-dedans. J'avoue que, comme ça, à première vue... Vous remarquez de quel côté l'éclairage arrive sur la toile? C'est curieux que l'artiste ait peint ça d'une telle manière. Sans doute, mais à vrai dire, continuez, je vous écoute. Bizarre que le peintre ait éclairé sa toile de ce côté, alors que la lumière paraît plutôt venir de l'autre côté. Le peintre auquel faites allusion en ce moment, Madame Colombo, s'appelait Rembrandt. Cette toile magnifique s'intitule L'officier. Rembrandt a peint cet officier il y a plus de 300 ans, chère madame. Le mystère de son éclairage reste entier. Jusqu'ici, personne n'a pu en donner une explication logique, même le plus fin limier du monde, comme vous et moi. Le thé nous attend. Venez, passez dedans. Je crois que malgré votre charmante conversation, en réalité, vous ne pensez qu'à la balle dans le mur. Je dois bien reconnaître qu'en effet, je pense beaucoup à ça, Madame Colombo. J'essaye de saisir le sentiment de ce pauvre homme, ce Carmichael. Sanders. Oh, Sanders, oui, le nom de Carmichael me vient toujours à l'esprit. J'essaye de le voir au bord d'un précipice émotionnel. Va-t-il mourir ou bien renoncera-t-il?
Que veut-il? Le sait-il à ce moment-là? Veut-il réellement mourir ou lutter pour sa vie? Et alors, sans doute pour mieux comprendre, il tire une de ses balles dans le mur pour voir. Et ensuite, il décide d'échanger les tableaux, et alors on ne verra plus le trou. Cette balle dans le mur est en un sens, enfin, la preuve qu'au-delà de son hésitation à se tuer, cet homme avait somme toute l'intention à ce moment-là, l'intention d'en terminer. Et la raison qui l'amenait alors à intervertir l'étoile devait être sûrement le souci de se cacher la chose à lui-même. Oh, ça alors, c'est vraiment de la psychologie, monsieur l'inspecteur. Vous n'avez donné qu'une suggestion. Moi, j'aurais fait une toute autre analyse. J'aimerais que vous me la donniez, chère madame. Il se peut qu'un autre homme ait été avec lui, qu'il ait fait feu sur son hôte et l'ait manqué. Ou alors que ce soit Karl Michael qui ait tiré sur l'autre et que cet autre ait réussi à le tuer en lui arrachant son arme. Meurtre, alors? Ce n'est qu'une suggestion. Pourquoi aurait-il téléphoné son intention de commettre un suicide? Et pourquoi mettre à cet instant cette chaussure en caoutchouc dans le brasier? Enfin, c'est insensé. Je crois, monsieur l'inspecteur, que l'affaire vous intéresse et que vous allez m'aider. J'ai l'impression que l'idée de cette enquête vous plaît plus que vous ne l'admettez. J'étais policier si longtemps. J'ai enquêté pratiquement toute ma vie, madame Colombo. Maman, ici l'ordinateur. Oui, Génie, j'écoute. Je voudrais descendre te dire quelque chose. Je connais ça, tu vas rester debout jusqu'à 3 heures du matin. Qu'est-ce que tu fais? J'écris un petit article sur une dame qui a vécu pendant 90 ans ne buvant que du jus de choucroute. Donne-moi une idée pour un jeu. J'ai une meilleure idée encore. On va jouer à un jeu ensemble. À quoi on va jouer? C'est très simple. On dit oui, non ou bien peut-être. Un monsieur est chez lui, dans sa chambre. Attention, il est chez lui. Et il reste là, sans sortir. Pourquoi? Il fait sa toilette? Non. Est-ce qu'il est tout seul dans la maison? Oui. Ce monsieur est un homme très riche qui a une grande maison. Sa chambre a un ascenseur et l'ascenseur est en panne ce jour-là. Tu connaissais l'histoire? Tu l'as déjà raconté il y a un mois, chérie, rappelle-toi. À toi de raconter. Alors écoute. Il pleut cette nuit-là et... un monsieur est dans sa chambre. Il y a un feu de bois chez lui. Et ce monsieur est triste. Alors il prend un de ses snowboots et le fait brûler dans la cheminée. Pourquoi? Est-ce qu'il y a personne d'autre dans la chambre? J'en sais rien. Oui, non, bien peut-être. Peut-être. Ou alors c'est qu'il est gelé, qu'il a rien d'autre que sa chaussure à brûler, voilà tout. Non. Alors c'est qu'il a quelqu'un à embêter. Ah, c'est peut-être ça. Sa mère l'oblige à brûler ses snowboots parce qu'il salit tout son parquet en rentrant. Oh, ridicule ton histoire. Alors c'est quoi la réponse? Je n'en ai aucune idée, hélas. Alors c'est un jeu drôlement idiot, je trouve. C'est un jeu qui sert à endormir les enfants. Comme il n'y a pas de réponse, n'arrête pas d'y penser et tu t'endors. Bonne nuit. Maman? Oui? Je suis sûre que c'est seulement pour faire une blague au voisin avec l'odeur. Je le sais, Walter adore ça, il fait brûler son ballon de plage. Et ça dégage une odeur? Les gens s'en vont courant. Ça doit être drôle, sûrement. Bonne nuit, imagine une meilleure solution. Ça m'étonnerait que je trouve. Pour toi, Emily, avec toute mon affection. Oh, c'est très gentil, chérie. Tu en donnes une à madame Colombo. Oh, sacré. Yeah. Oh, excuse-moi, je me suis piqué les doigts avec une épine de rose. Oh, va t'asseoir près de madame, je sers le thé. Je suis ravi de vous voir, veuillez accepter cette rose. Oh, quelle délicatesse, merci. Vous paraissez si heureux dans votre beau jardin.
Et nous avons eu le temps de faire connaissance. Je vais enseigner nos bonnes recettes à Madame Colombo, comment on fait la marmelade. Et de son côté, elle a dit qu'elle m'apprendrait à faire les dim sum. Les dim sum, c'est chinois et c'est le bon. Je suis persuadée que c'est excellent. Un vrai régal. Je suis venue vous apporter une nouvelle. Bonne? Tiens, chérie. Savais-tu que le mari de Madame Colombo est lieutenant dans la police? Non, je l'ignorais. C'est un collègue. Il n'est pas chez nous, il travaille à Los Angeles. Eh bien, nous nous verrons sûrement un jour avec Monsieur Colombo. Dites-moi donc votre nouvelle, hein? Vous n'avez pas oublié le snowboard qu'on a fait brûler? Non, pas du tout, je me souviens, oui. Dans la cheminée, quelle bonne idée. Madame Colombo m'a déjà tout expliqué. Car Michael avait sa raison. Mais son nom est Sanders, chérie. Je crois que si on a brûlé ce caoutchouc, c'était d'abord pour recouvrir une odeur. Vous le pensez sérieusement? C'est ce que le sergent m'a dit lui aussi. Mais il est allé réexaminer le mort en détail. Et que croyez-vous qu'il ait découvert? Yann, tu ne vas jamais le croire. La barbe du mort, c'était une fausse, un postiche. Postiche? Et sous le postiche, le sergent a retrouvé des traces de gaz. C'est sûrement ce gaz qui dégageait une odeur. Goûte à la marmelade. Oh, quelle merveille, c'est une vraie marmelade, ça. On a voulu cacher une odeur persistante, celle du gaz de défense que l'assassin aurait utilisé. Et ces histoires de gaz et puis d'assassin, j'avoue que je me perds quelque peu dans tout ça. Le sergent Boone m'a dit la même chose. Il croit, lui, que le mort qui s'appelle Sanders... Oh, je ne vous ai pas dit qu'il était employé au Piccadilly, c'est un music hall. Dans un music hall? Oh, non. Le sergent Boone a donc comme théorie que Sanders a loué un grand et bel appartement sous le faux nom de Carmichael en pensant se suicider. Il a brûlé un de ses snowboots dans la cheminée. Il a tiré un coup de pistolet dans un mur, il a fait l'échange des tableaux, il a téléphoné à la police en lui disant qu'il voulait rester en vie et qu'il voulait mourir, ou qu'il se tuerait et qu'il voulait rester en vie, et il s'est tué en fin de compte. Ensuite, il s'est aspergé le visage d'un jet de gaz après s'être mis à postiche. Vraiment, Yann, ça n'a guère une allure de suicide. Ça a l'air un peu bizarre, oui. Oh, mais... tu devrais faire une enquête. Ah oui, faites-le, monsieur l'inspecteur. Ça me ferait un de ces papiers du tonnerre pour notre journal local. Écoutez... je promets, de la manière la plus solennelle, de ne plus avoir un seul moment de répit avant d'avoir résolu le mystère étrange de la mort de Carmichael. Sanders, chérie. Jus de choucroute. 300 mots sur le jus de choucroute. C'est pas tant le jus, il s'agit surtout de la vieille dame qui en a bu toute son existence. Ma chère Kate, écoutez... tous les gens qui vivent jusqu'à 90 ans ont une explication. Quand j'étais encore au tribunal, j'ai connu un vieux qui prétendait n'avoir bu du bouillon de peau de banane. J'ai coupé moi la choucroute en deux, on remplacera ça par 100 mots sur autre chose. Par exemple, les machines à laver. Entendu, chef. Est-ce que vous pensez que je dans... je ne pense jamais. Je n'ai pas acheté ce journal pour en faire une feuille intellectuelle. Laissez penser aux penseurs. Pas d'autres questions? Savez-vous ce que c'est que du gaz OS? Pourquoi? Le sergent Boone a retrouvé de ce gaz OS sur les traits du suicidé, monsieur Carmichael. Je croyais qu'il s'appelait Sanders. Ça va être très compliqué, tout ça. Il y a deux sortes de gaz, d'après ce que j'ai appris. L'OS et l'OC, les militaires. Orthochlorobenzomalonitrile. Ne mettez pas ça dans votre article. C'est un journal populaire, pas une revue technique. C'est quoi l'OS? Celui qu'utilise la police en général, le lacrymogène. Lacrymogène? Mais alors? Je m'excuse. Et est-ce que nous sommes bien ici chez M. Sanders dans son appartement? C'est bien ça? Oui, je suis Morley, Yann Morley. Ah, vous êtes l'inspecteur? Oui, mais à la retraite. Oh, alors soyez le bienvenu, mon cher collègue. Entrez, je vous en prie, entrez. Je suis le sergent Boone. Très heureux. Et Madame Colombo m'a dit beaucoup de choses sur vous, monsieur. Eh bien, cher monsieur, elle m'a aussi très souvent parlé du travail que vous faites. Et elle voudrait que je prenne quelque intérêt à l'affaire Sanders, mais à condition que vous m'y autorisiez. Vous m'en verriez très honoré. Voilà déjà au moins de quoi réfléchir. Des snowboots. Ça appartenait à Sanders, semble-t-il. Oui, c'est probable. Je les crois à première vue de la même taille que celui qu'on a trouvé brûlé. Qu'est-ce que vous en dites?
Vous avez raison. Je me demandais à l'instant si c'était une coïncidence ou si c'est important. Disons, si ça devait être important, se pourrait-il que ce soit une coïncidence, hein? C'est la question que je me posais. Mais d'un autre côté, est-ce que ce serait une coïncidence si le fait était d'importance? Là, on pourrait dire que c'est d'un côté bonnet blanc et de l'autre côté blanc bonnet, hein? Ah, ouais. Je saisis votre pensée, oui. Eh bien, faisons donc un tour. Pour dire la vérité, nous avons déjà tout fouillé par ici. Et mon premier rapport conclut au suicide. Seulement, si on tient compte de faits comme le postiche et le gaz sur le visage, la balle dans la cloison, ça change évidemment la version première qui concluait au suicide. Bien sûr, mais nous allons chercher, sergent. Que cherchez-vous? Rien, je regardais si Sanders avait mon livre quelque part. J'ai écrit un livre sur la criminologie. Je me demandais si M. Sanders pouvait en avoir un exemplaire chez lui. Ah, c'est bien les 7 meurtres restés impunis. C'est ça, oui. L'avez-vous lu, sergent? Non, pas encore. Mais Mme Colombo a été d'un tel enthousiasme pour me le décrire que je vais le lire. Elle-même le relit une seconde fois, d'ailleurs. Elle le relit? Bien, je suppose que ce bouquin se trouve quelque part. Ah non, il n'y est pas, j'ai regardé. J'ai passé la pièce au peigne fin et je l'aurais vu s'il y était. Ça n'a pas d'importance. Je pense au contraire que ça en a. Mais pourquoi ça? Madame Colombo a dit que M. Saunders vous avait appelé au téléphone le soir de sa mort pour vous parler de cet ouvrage. Ah, c'est exact, oui, c'est exact. On peut supposer qu'il en avait un ici. Ah, mais c'est une évidence, oui. Oui, comment n'ai-je pas pensé à ça? Il n'est pas impossible qu'il se trouve à son travail, au Music Hall, le Piccadilly. Mais quand un homme a du mal à dormir avec sa conscience, je pense qu'il lui est facile de dormir avec quelqu'un de plus séduisant, non? Mesdames, messieurs, la suite du programme pour le même prix. Et pratiquement sans aucun supplément, nous vous présentons ce soir le grand Merlini. Merci, Miss Decibel. Maintenant que vous pouvez m'entendre, je vais demander de l'aide à une personne de l'honorable assistance. De l'assistance publique. Voyons. Je vais me rendre auprès de vous, si vous le voulez bien, et je vais choisir une personne au hasard pour la nommer volontaire. Bonsoir, on s'appelle soirée, n'est-ce pas? Vous tenez-vous un peu, bonsoir, madame. Je vais le trouver une jolie volontaire. Je vous l'amène. Regardez. Elle a dit oui tout de suite, miracle. Moi, à qui on dit toujours non. Venez de ce côté. Pas de panique. D'abord, un très grand bravo pour la ravissante créature. Ah, vous êtes là. Ah, je vous conseille de regarder avec une grande attention mon assistante, qui note les nombres que vous lui avez dictés. Je vous montrerai alors le numéro le plus sensationnel du siècle, ce numéro qui a fait rire le prince de Galles, le marquis de Passe-Montagne. Il est vrai que ces gens-là rient pour rien ou presque. Et voici donc, mesdames et messieurs, l'instant que vous attendiez, le clou du spectacle, le moment de vérité. Quel est le chiffre, quel est le numéro secret, monsieur? Le chiffre secret, je le vois. Oh. Le 7. Aurais-je failli? Quoi? Eh bien, j'étais pas loin.
Ah, c'est très drôle. C'est très amusant. Mais quel malheur d'avoir une femme qui ne sait pas compter. Enfin, c'est amusant, son truc-là. On peut sûrement lui faire toute une ovation. Allez, allez. N'allez pas la gâcher, maintenant, hein, mesdames et messieurs. Vraiment, je suis navrée, chérie. Mais non, ça n'est rien. J'aime mieux rentrer. Oh, monsieur l'inspecteur! Vous étiez là? Comment ça va? Oh, j'ai peut-être du nouveau à vous apprendre. Chère amie, vous avez été étourdissante. Oh, merci, madame Morley. J'ai trouvé ça dans le casier de monsieur Sang... de monsieur Carmichael. Regardez. Mais c'est celui que t'as écrit, mon chéri. Le casier était fermé? Ah, non, il était ouvert. Mais dès que j'ai eu le livre, j'ai refermé le cadenas. En effet, c'était plus sage. Je ne saisis pas le sens de la démarche. Avez-vous... Oh, excusez-moi. Il manque un chapitre à l'ouvrage, là. Il semble qu'on ait arraché toute la partie sur le meurtre de Lily Corday, dans lequel l'homme qu'on soupçonnait, celui qui s'est noyé, paraît-il, s'appelait... Carmichael. Vous savez tout, monsieur l'inspecteur. Je n'ai pas une chance contre vous, je le sais. Nana, dim son, fais à la maison. Oh, il ne fallait pas, c'est trop de travail. Oh, mon mari les adore, mais il se rend tard ce soir, je regrette. Oui, c'est dommage. Mais j'ai encore une autre surprise pour vous, cher monsieur. Vous avez écrit que ce politicien qui a, semble-t-il, assassiné Lily et qui s'est noyé dans la Tamise s'appelait Carmichael. C'est en effet ce que presque tout le monde a cru. Ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'était pas lui, pas le politicien. C'était un autre. Et celui-là, chérie, il serait toujours en vie. Jamais nous n'avons trouvé la preuve, chérie. On a donc supposé que l'assassin, ce monsieur Carmichael, s'était noyé et il ne s'est jamais noyé. Et pourquoi ça? Regardons un peu cet exemplaire. C'est celui de monsieur Carmichael, bien sûr. À la table des matières, on remarque ici que le meurtre de Lily Corday a été annoté. I am the murderer. Je suis le meurtrier. I am the murderer. C'est un aveu, non? Mais est-ce lui qui l'a écrit? Carmichael a sûrement écrit ça. C'est le même Carmichael qui est supposé s'être noyé, mais qui est venu s'installer ici à Los Angeles. L'affaire est réglée. Il aura vécu dans le remords toutes ces années. Et puis le livre a été édité. Il aura voulu vous faire sa confession. Une vraie confession, oui. Oh, je m'excuse, j'ai tendance à m'emporter. Ainsi donc, le remords le ronge et il a peur des suites. Le pauvre est tout retourné. Il sait bien que toute son existence est ruinée. Le pauvre ne voit plus qu'une solution, le suicide. C'est d'une indéniable logique, tout ça. C'est donc le sergent Boone qui avait raison, en un certain sens. Carmichael s'est donc bien tué. Il s'est aspergé d'un peu de gaz et puis il s'est collé à postiche. Thank you.
Bonsoir, chère madame Colombo. J'ai d'autres nouvelles très intéressantes. J'en suis certain, très chère. Pour votre prochain livre, le meurtre absolument idéal, une merveille dans le genre. Eh bien, je vous écoute. Où avez-vous trouvé ce crime? Un temps perdu, en somme, pendant mes heures de travail. Racontez-moi ça. C'est l'histoire de Carmichael. Sanders. Carmichael, c'était le nom qu'il avait en Angleterre. Il s'en est à nouveau servi quand il a loué l'appartement, dans le but évident de rencontrer ici l'homme qui, des années plus tôt, avait assassiné cette Lily Corday. Alors, ce politicien aurait été ici, à Los Angeles. Vous avez dit à votre femme qu'il n'était plus politicien du tout. J'y étais présente. Je crois que je vois votre point de vue. Carmichael se met un postiche, avec l'idée, sans doute, de vengeance. Il dit qu'il est à son visiteur. Vous êtes encore une fois une longueur d'avance. Mais le visiteur réussit à retourner la situation avec une bombe à gaz lacrymogène. Carmichael tire un coup de feu. La balle se loge dans la cloison. Le visiteur tue Carmichael. Il échange les tableaux, ce qui cachera le trou. Il remet la fausse barbe pour cacher les traces de gaz. Brûle le snowboard, ce qui couvrira l'odeur. Oh! Alors, votre femme m'a dit que cet objet devait être à vous, monsieur. Elle a dit ça. Oh, cet objet ressemble à tous les objets du même genre. Il va falloir m'en dire davantage. L'homme qui a tué Carmichael ce soir-là, est-ce celui qui a tué Lily Corday? Je crains que ce ne soit très fantaisiste et conduise à la confusion, madame Colombo. Carmichael est bien le meurtrier de Lily, il l'a écrit dans le livre. Nous l'avons même lu ensemble, il a bien écrit en rouge, je suis le meurtrier. C'est ce qu'il a écrit, c'est exact. Mais j'ai autre chose là, monsieur l'inspecteur. J'ai eu ça à la bibliothèque. Des copies d'articles qu'on lisait dans la presse britannique ces dernières années. On parle souvent de vous, monsieur l'inspecteur. On vous y appelait l'inspecteur IAM. Regardez. IAM, encore. Encore IAM. On ne vous désigne que comme ça. Vous étiez un très fameux enquêteur, monsieur l'inspecteur Jan Hazel Morley. I-A-M. Donc, ce qui est écrit là, I am the murderer, ne signifie pas je suis le meurtrier, mais I-A-M, Jan Hazel Morley, est le meurtrier. Supposition, rien de plus, je le crains. Rien de sérieux. Alors, jusqu'ici, oui, mais bien entendu, je peux produire autre chose. J'en ai pas une seconde. Un livre sur la peinture? Sur Rembrandt, oui. Je crois que vous allez être très fiers de moi. Regardez. J'ai sous les yeux l'œuvre originale. Oui. L'officier. Notez le sens de son éclairage. Oui. J'ai tout de suite été très intriguée. Sur celui-ci, il y a une sorte d'ombre sur le visage. Ça peut être simplement une erreur commise lors de la reproduction. Ah, c'est aussi ce que j'ai cru, je le reconnais. Mais ensuite, en y pensant bien, j'ai changé d'idée. Il a fallu que l'on y mette quelque chose pour que les ombres soient altérées de cette façon. Ce quelque chose doit y être encore. Regardez. Votre stylo à gaz. Vous voyez? L'ombre a disparu. C'est vrai, elle a disparu. Votre stylo, monsieur l'inspecteur. Vous avez donc tué Carmichael. Et aussi une certaine Lily Corday. C'est drôle qu'en une telle circonstance, madame Colombo, je ne me sente pas vraiment le responsable de ces deux meurtres. Oh. Je suis sûre que vous êtes un homme très gentil.
Un meurtre ancien, meurtre conçu dans l'inconscience sans l'avoir voulu. Et un autre, il y a à peine quelques jours, par inadvertance. Est-ce qu'un troisième pourrait tout à fait effacer de moi l'ombre qui altère ma conscience? Je crois que non. Non, ce serait inutile. Vous êtes une personne remarquable. Vraiment remarquable. Venant de la part de IAM, ce doit être un joli compliment. Je pense que vous avez passé la totalité de ces informations aux policiers. Le sergent Boone est au courant. Alors, je me demande tout à coup si je pourrais disposer, avec la permission des autorités, d'un peu de temps, disons une heure ou deux, pour expliquer à Emily la situation dans laquelle je me trouve. Ensuite, j'irai voir le sergent Poole. Il faut bien que vous lui racontiez la dernière de vos enquêtes, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur ?